Alors l'astrologie fait partie d'une certaine manière de la banlieue. De la banlieue de la science, de la banlieue du savoir. Et cette position un peu bâtarde, alors certains essaient justement, comme moi, de la désenclaver, comme Jésus voulait désenclaver les gens du Nord et ne pas les réunir avec les gens du Sud. Donc, le Nord étant la Galilée et le Sud étant la Judée. Eh bien, de la même façon, vouloir désenclaver l'astrologie, c'est vouloir faire tomber le mur d'exclusion de la part de la structure centrale par rapport à la philosophie, qui serait comme marginale, comme périphérique, comme une pseudo-science, etc. etc. Et toute la question, justement, c'est de résorber le fossé entre la banlieue et le centre, ce qu'a fait d'ailleurs Napoléon III en 1860, lorsqu'il a intégré dans les arrondissements parisiens une partie des villages périphériques. C'est pour ça que dans le 13e arrondissement, il y a des éléments qui appartiennent à la ville d'Ivry, par exemple, à la ville de Gentilly. On peut retrouver la même chose, ça, dans d'autres arrondissements.